Le mois prochain, nous serons appelés, chacun individuellement, à voter pour ou contre, ou à nous abstenir sur ce budget 2017, plutôt, la préparation de notre budget communal constitue la principale responsabilité de l'Assemblée municipale, le 3 mars. Ce budget a été préparé par l'exécutif municipal, l'administration qui, semble-t-il, participe largement. Selon les objectifs fournis, vous l'avez dit, à la fois au programme de la communauté et à la fois. Dans toutes les communes de France, en tout cas, dans celles qui pratiquent certaines démocraties, le vote du budget municipal aura été précédé de débats, de concertations avec les élus, y compris l'opposition. Parfois aussi avec la population dans son ensemble. Les communes disposent pour ça de différents outils. La plupart des villes ont par exemple une commission de finances à laquelle participe l'opposition. Rien de tout ça, il n'y a aucune concertation, ni avec les élus, encore moins avec ceux de l'opposition, ni avec les habitants. Nous sommes chaque année pris devant le fait accompli, décision prise, j'imagine, par quelques personnes, deux ou trois, sur 45 000. Ce n'est pas comme ça qu'on gère démocratiquement une commune. Le résultat de cette absence de concertation, c'est une utilisation de l'argent public évidemment. Peu efficace, une politique clientéliste, un programme de construction mégalo qui engendre du coût des dangers. Si on additionne ce coût des cadeaux, les frais de bouche du maire, les voyages de la sous-criminelle, les voyages des élus, on arrive à une dizaine de millions d'euros dépensés, sinon gaspillés chaque année, pour des actions qui n'ont d'autre but que de conforter la position électoraliste du maire. Ce volet clientélisme représente plus de 6% du budget fonctionnement des programmes. Cela absorbe la taxe d'habitation par les projets. Ces 13 dernières années, ce qui aussi caractérisé en plus de cette politique dépensière clientéliste, ce qui aussi caractérisé l'action du maire plutôt, ce qui marquera son mandat, c'est une sorte de folie des grandeurs avec la construction des palais. Le palais des sports, le palais de la culture, le palais des Gracias.
esprit est ouvert sur les idées de l'homme, vous avez tout ça. Notre proposition de développer la culture dans les écoles dans ce sens. Et donc, nous proposons de ne pas démolir sur le cinéma et de préserver l'intégralité de cet esprit. Sur l'environnement, nous devons évidemment arrêter d'esprit. Notre ville dépense son environnement, l'électricité, en objet. Et c'est important. Effectivement, chaque investissement que nous faisons doit être pensé en considérant la transition énergétique en cours. Heureusement, le développement du CER et le lien de cette assemblée, les élus de la majorité, à réfléchir à cette réalité des chiffres.